Le retour. Cela fait maintenant deux jours que Tenace est parti. Comme chaque soir, loup fauve vient prendre son poste de guet à l'extrémité de la falaise. La nuit est calme, il s'allonge, le nez vers la plaine. Une part de conscience, toujours en éveil, il entre dans ce demi-sommeil qui suffit aux loups les plus endurcis pour recouvrer leurs forces. Vers le milieu de la nuit, un bruit, l'instinct, mais fauve va présent complètement sur ses gardes le sait avec certitude. En bas dans la plaine, une silhouette se déplace rapidement. Le contrebas ne permet pas d'en recevoir les effluves, et Loufauve n'est pas certain qu'il s'agisse de tenace. Bientôt la silhouette est au pied de la falaise. Loufauve est anxieux, si ce n'est pas tenace, il faudra prendre le large au plus vite. L'attente met les nerfs à vif. Dans la vallée, on devine une nouvelle activité une troupe de deux pieds, une douzaine sans doute. « Cours dans leur direction »« Sont-ils les alliés de celui qui monte la falaise »« Sont-ils à sa poursuite ?» Ce n'est que lorsqu'il n'est plus qu'à quelques mètres que loup fauve reconnaît de façon certaine les fluves de tenace. Quoiqu'avec dignité, mais de manière indiscutable, le louveteau fait fête aux deux pieds ceux qui ne manquent pas de surprendre ce dernier, qui voudrait répondre comme il convient, mais il le fait de manière brève, presque à la hâte, et bientôt il se remet en route. Il est poursuivi, comprend le jeune loup, qui lui emboîte le pas. On devine le souffle forcé d'un groupe de deux pieds à l'assaut de la falaise mais Tenace et lui vont bon train dans la nuit sombre. Il sera difficile pour des animaux dépourvus d'odorat de leur donner sérieusement la chasse. Tenace va vite, très vite même. Un tel train ne peut être motivé par le souci d'échapper à des poursuivants qui n'ont pourtant aucune chance de les rejoindre. Non, Lou Fauve en est certain. Tenace ne fuit pas. Il se rend vers un lieu qu'il veut rejoindre plus vite. Durant deux jours et deux nuits, sans prendre jamais plus que quelques brefs instants de repos aux heures les plus torrides du jour, ils vont ainsi aller dans une direction exactement intermédiaire entre le soleil qui se couche et le soleil qui se lève. Mais, une fois encore, le comportement de son partenaire déconcerte le jeune loup, c'est que, malgré son jeune âge, son instinct l'en informe avec certitude. Il n'y a rien, rien dans la direction où il se précipite. Cependant, comme à l'ordinaire, la détermination sans faille de Tenace vient balayer les hésitations du loup. Le deuxième jour, Loufau voit se confirmer son intuition. Devant eux il n'y a rien, en effet, seulement de l'eau, un fleuve, mais un fleuve sans fin, un fleuve sans autre rive, un fleuve de fin du monde, qu'aucun nageur, d'aucune espèce ne pourrait envisager de franchir. Tenace va bientôt devoir s'en rendre compte il lui faudra faire demi tour. Mais celui ci va toujours, sans jamais ralentir. Ne voit-il donc pas qu'il n'y a rien devant eux? N'entend-il pas le souffle menaçant, rugissant du fleuve qui menace et veut tout engloutir? N'est-il pas assailli lui aussi par cette odeur puissante qui semble vouloir effacer toutes les autres? À présent le fleuve est bien visible. Toujours sans la moindre hésitation, Tenace se dirige vers une sorte de bois en bordure du fleuve. Le fauve suit de plus en plus circonspect. Tenace s'engage dans le bois suivant un sentier qu'il semble parfaitement connaître. Le deux pieds devant, le loup sur ses talons, on se faufile entre les troncs, sur un sol toujours plus incertain. Soudain, Tenace s'arrête. On est au bord d'une petite étendue d'eau que loup fauve devine rejoindre le grand fleuve, un peu plus loin. Tenace s'arrache à l'affûté un objet étrange, étroit et long, qu'il pousse jusque dans l'eau. Bientôt, il dresse au milieu de l'objet un arbre inutile, sans branche ni feuille, autour duquel est enroulé quelque chose qui ressemble à des pots cousus entre elles. Le deux pieds monte sur l'objet et il invite l'oufauve va le suivre, ce à quoi celui-ci se refuse avec la plus grande détermination. Cependant, Tenace doit partir avec l'objet. Si le loup ne veut pas suivre, celui-ci devra courir seul un temps qui sera peut-être assez long. Tenace reviendra dans la futée, mais il ne peut pas dire dans quel délai. Seul, dans un endroit où l'on ne reconnaît rien, aucun repère, aucun des flux de gibier connus, et puis la soif, de l'eau à profusion, mais... Loup fauve l'a déjà compris de l'eau sèche qui n'est pas question de boire. Bien sûr, le fleuve, plus loin, menace en grondant, bien sûr, l'objet sur l'eau n'a rien de rassurant, et aucun loup raisonnable n'accepterait de s'y tenir. L'instinct du loup, héritage mémoire de tous ses ancêtres, le presse de s'enfuir au plus vite, tandis que le deux pieds sur l'objet y semble aussi à l'aise que s'il était sur le sol, et rien ne laisse deviner chez ce dernier autre chose que son habituelle assurance, et c'est avec cette même assurance qu'il entreprend d'écarter l'objet de la bordure du sol, l'engageant résolument vers l'étendue d'eau. À ce moment-là, la réaction de l'eau fauve, imprévisible et soudaine, vient les surprendre tous, l'objet tout d'abord, qui marque un violent mouvement de bascule, tenace ensuite, qui manque d'en perdre l'équilibre, l'eau fauve enfin, qui se retrouve le ventre comme cloué au fond de l'objet, les membres tétanisés de chaque côté du corps, essayant dans cette position de garder un équilibre qui lui paraît absolument précaire. Sans qu'il comprenne comment cela a pu se produire, Loup Fauve doit se rendre à l'évidence, il a sauté dans l'objet et, ce faisant, basculer dans un monde effroyablement inconnu. Mais immédiatement après, le rire clair et joyeux de tenace vient apporter comme une lueur de salut, la main de celui ci masse la nuque du loup, qui, à ce degré d'émotion, ne tente rien pour s'en défendre, satisfait même, à son plus grand étonnement, de ce contact qui vient comme le retenir au bord de son affolement. Fichou prononce le deux pieds, tu as manqué de faire chavirer ma barque. Il fallait me prévenir. Loup fauve ne comprend pas un mot de ce discours, sinon le mot barque qu'il retient. L'odieux objet sur lequel lui-même et le deux pieds sont désormais prisonniers s'appelle une barque. Toujours aussi calme, tenace vient tendre au-dessus du dos de loup fauve une sorte de lien, contre lequel l'animal marquerait la plus farouche défense dans une situation normale, mais qui ici lui apporte, en plus de l'appui qu'il procure à son corps, un sentiment de bienfaisante sécurité. Le deux pieds attache un autre lien à une branche basse, puis se couchant au fond de la barque, après avoir dit quelques mots dont le loup devine le sens, s'endort presque aussitôt. Ce que le deux pieds attend, c'est la bienfaisante sécurité de la nuit, et dans cet intervalle, il faut prendre un peu de repos. Les émotions ont épuisé le loup, qui, s'il ne dort pas, se détend peu à peu, laissant prendre à ses membres une position plus confortable. Le plus grand calme semble entourer la barque, et la vie que l'on devine riche au sein de la futée leur est parfaitement étrangère, et n'a donc rien d'hostile. La nuit n'est pas venue que tenace à détacher la barque, et sous le regard presque horrifié du loup, la dirige franchement vers le fleuve, à l'aide d'une branche dont la forme a sans doute été modifiée. Bientôt, ils sont sortis de la protection des arbres et il n'y a plus autour d'eux que la nuit et de l'eau, mais une eau vivante, de plus en plus agitée, qui chahute la barque dans tous les sens. Aussitôt, ils sont pris par le vent. Tenace pose sa branche et déroule les peaux enroulées autour de l'arbre. Les peaux se gonflent du vent. La barque s'incline doucement sur sa hanche, ajoutant, s'il est possible, à la panique du loup qui reste figé, appuyant ses épaules au lien. La barque, sans doute dirigée par Tenace à l'aide de ce bois étrange retenu dans ses mains, court sur le fleuve, dont elle épouse fidèlement les mouvements, les heures passent, abrutissantes, qui donnent le sentiment de ne jamais vouloir s'achever. Leur cauchemar se mêle aux autres cauchemars, le meurtre de son frère, la fuite dans les joncs, son père qui le cherche, le destin de son frère. Vingt fois, son père passe à trois pas de lui, sans le découvrir. L'odeur du marais est plus forte que celle du louveteau. La fuite au très petit matin, la peur, la soif, la faim, l'épuisement, et par-dessus tout l'immense solitude, la barque danse sur l'eau, sa mémoire danse dans son esprit. La nuit n'est plus aussi profonde, la barque va plus durement sur l'eau, mais l'espérance du jour rend cette course moins terrifiante. On devine à l'arrière la silhouette impavide de tenace, une main sur le bois, le louveteau se rend compte que, sous les d'émotion, il a dû finir par s'endormir. Il y a de l'eau tout autour de la barque. Mais on ne peut s'y tromper on ne la voit pas, mais on la sent une terre. Une terre aux odeurs fortes et rassurantes s'avance vers eux, assez vite, trop lentement, bien sûr, mais assez vite cependant une terre qui transforme l'angoisse de la nuit en un filet d'espoir. Tenace devine que le loup s'est éveillé. Il lui dit quelques mots, cette voix qui apaise le jour ne sera pas levé que nous aurons rejoint la terre. Soudain, la barque ne danse plus sur le fleuve. Elle court, toujours inclinée, mais sans subir le moindre heur, bien poussée par le vent, sur une eau parfaitement lisse. Devant eux, loup fauve devine un immense et apaisant désert de sable, un monde où d'ordinaire il ne viendrait à l'esprit d'aucun loup d'aller s'aventurer, mais un monde qui ici a des couleurs de salut. Là-bas, sur le sable, un deux pieds vient de naître. Il court vers eux, agitant les bras, de la voix et des mains, tena sur répond. « La terre vers laquelle on court est plus qu'une terre connue de deux pieds, c'est une terre où il compte des alliés. La nuit infernale l'achève de se dissoudre en petit matin de reconnaissance. Bientôt, la barque est au bord du sable, où le loup se jette avec délectation. Loup fauve voudrait prendre son élan, tourner définitivement le dos au fleuve. Mais pour le moment, ses muscles ankylosés ne lui permettent autre chose que quelques mouvements maladroits, et les odeurs qu'il hume, pour rassurante qu'elles continuent de lui paraître, ne lui sont pas moins inconnues et nouvelles, des odeurs vers lesquelles on ne peut s'engager sans prudence.